Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Je me trouve toujours avec Monsieur Jean-Bernard Caroupaille. Monsieur Caroupaille, bonjour. Bonjour Mathieu. Excusez-moi de déranger, vous m'aurez une question à poser à vous. Est-ce que vous pourrez, enfin, au niveau de la presse, il dit souvent que Monsieur Jean-Bernard Caroupaille, il dit comment là, qu'il y bataille pour la population réunionnaise, mais ben là, il dit que la réalité est que Monsieur Jean-Bernard Caroupaille, il y bataille que pour lui-même. Est-ce que vous pouvez expliquer à moi aujourd'hui que votre combat est réellement pour la population réunionnaise? Ben écoutez, on dit beaucoup de choses sur moi. Je pense qu'il faut me connaître. Les gens qui ne me connaissent pas, ben, peut-être qu'ils ont du mal à comprendre. C'est vrai que ben, moi, je suis chef d'entreprise. Je gère 3 sociétés. Je gagne bien ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui est riche, mais au moins, je peux dire que je ne vis pas de la mendicité non plus, mais je vis du fruit de mon travail. Mais rien ne m'interdit aussi de vivre dans l'égoïsme et de rester indifférent aux problématiques que rencontrent les gens, la population en général. Et puis aussi la corporation que je représente, c'est-à-dire le transport. Et puis si j'ai été élu aussi à la Chambre de commerce, c'est aussi pour faire un petit peu respecter et respecter aussi la profession de foi que j'ai fait à travers mes engagements. Et c'est aussi peut-être aussi par rapport à ce que j'ai dû subir comme injustice depuis mon enfance. C'est en moi, c'est peut-être aussi dans mes gènes. Je me bats contre les abus, je me bats contre les injustices parce que je ne peux pas rester indifférent devant la souffrance de beaucoup de personnes parce que moi-même, je l'ai subi, toute cette souffrance-là. Mais à aucun moment, ce que relate la presse en disant que j'ai des intérêts ou je vais faire de la politique, écoutez, c'est les gens qui fantasment ou qui racontent des choses à mon encontre. Je n'ai jamais déclaré que j'allais faire de la politique. Mais c'est les gens qui disent que j'allais faire de la politique. Oui, mais les gens, ils peuvent dire cela indirectement ou indirectement parce qu'ils ont vu que vous êtes très proche de M. Thierry Robert. Mais je suis très proche d'un homme qui a des convictions et qui mène un combat qui est pour moi juste parce que souvent on dit qu'un homme politique, lorsqu'il est élu, il oublie ses engagements et la population. Mais moi, je vois en Thierry Robert quelqu'un qui respecte ses engagements qu'il a pris. Regarde, lui aussi, il aurait pu vivre aussi comme un égoïste parce que à travers la presse et tout, j'ai vu que c'est quelqu'un qui gagnait sa vie, il a un beau patrimoine, mais il a pris des engagements envers la population et il assume ses responsabilités. Tout ça a un coût, ça lui porte aussi préjudice, tout ce qu'il subit à travers la presse.